Et bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part sur une petite dégustation KFC. J'ai extrêmement faim, comme d'habitude, quand je fais une vidéo dégustation, généralement, de toute façon, j'ai toujours les crocs. Donc aujourd'hui, on est parti sur un petit KFC, les potes, c'est parti. Alors, on part sur du nouveau truc aujourd'hui. Ouh, bah c'est bien ça, dis donc. Mais un petit autocollant KFC pour éviter que ça coule si jamais ça bouge par le livreur. Alors, ça, c'est top. Donc, petit Pepsi Max des familles qui va bien. On a notre frite qui est ici. On a notre burger qui est ici. Bon, par contre, il n'y a pas de paille. Il n'y a pas de paille, il n'y a pas de serviette. Mais sinon, c'est pas mal le petit autocollant. Du coup, paille de secours oblige. Hein. Ouh! Ah! C'est comment ça, ce délire? Ah, il y a un truc à l'intérieur du... Ah non, c'est quoi ce délire? Comment c'est, cette connerie? En fait, c'est de la merde, leur connerie, là. Bon, du coup, paille de récupération. Hop, on a une petite paille orange qui va bien aller. Donc, on a notre frite qui est là. Et on va goûter le boss. Bon, par contre, sur la photo, il avait l'air plus gros que ça. Mais il avait l'air très très bon en termes de garniture. Puisque t'as poulet mariné, t'as du bacon, des oignons, une petite sauce boss, et puis je sais plus quoi d'autre. Ah oui, du fromage fondu et tout. Enfin, il y avait l'air pas mal d'avoir de trucs. Donc, mais je le voyais plus gros que ça, mais on va voir ce que ça vaut. C'est parti. Hein. Alors, sortons la bête. Ah, ça a de la gueule, hein. Ah oui, j'avoue, avec le fromage fondu, ça a l'air vraiment très bon. Bon, comme d'hab, un petit deluxe et petite sauce moutarde qui va bien de chez McDo, parce que ça, c'est la base. Franchement, si j'avais un quick beaucoup plus près que ça, je pense que j'achèterais une grosse quantité de sauce Giant, parce que la sauce Giant, un peu vinaigrée et tout, elle est juste trop trop bonne. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir dans le commerce certaines sauces comme ça. La sauce Giant, etc. Pouvoir en acheter en plus grosse quantité que les petits pots, ça serait mortel. Mais bon, de toute façon, je vous ferai une dégustation quick. Hein. J'ai réussi à vous faire dégustation Subway. La dégustation quick, je vous la ferai aussi, même si, comme je vous l'avais dit, c'était un petit peu loin. Mais j'essaierai de vous la caler, genre quand c'est pas en heure de pointe, comme ça, je me bouffe pas les bouchons. Et du coup, quand je rentre, comme ça, c'est chaud. Bon, allez, on va goûter un petit peu ce boss. Alors, dessus, c'est du sésame. Il y a du pavot et du poivre, des grains de poivre. Donc, c'est original, moi, je trouve, de foutre ça sur le pain. J'aime bien. Ah, le fromage fondu dedans, on le voit ici, regardez. Il est vraiment trop bon. Bah, franchement, c'est pas mal du tout. Dedans, il y a une petite sauce un petit peu à la Tower Zinger, je dirais. Et il y a une autre sauce en plus. Une sauce poivrée fromagère, bah du coup c'est la sauce du boss. Mine de rien, il est quand même pas mal. C'est vrai qu'en taille, je le voyais plus gros, mais il est quand même bien garni. Et puis si vous voyez bien, vous avez du fromage en haut et en bas. Du coup, on sent bien le fromage, ça c'est super agréable. Bon, après, ce qui est juste chiant avec le pavot, c'est qu'après, t'en as plein les dents partout. Bah c'est très bon, franchement. Franchement, je kiffe bien. C'est bien parce que ça me fait goûter d'autres choses, parce que chez KFC, je vous dis, moi j'étais habitué à mon Tower Zinger, je prends quasiment que ça. La dernière fois, on avait goûté le colonel original qui était très très bon. Et bah du coup, celui-ci, le boss, franchement, il est cool. Après, il faut que j'aille goûter chez eux aussi. J'ai vu qu'ils avaient sorti des tacos. Alors, c'est pas des tacos comme chez Otacos, hein, c'est plus des tacos de façon mexicaine. Mais ça avait une bonne gueule, ça avait l'air vachement bon. Donc du coup, il faudrait que j'aille goûter ça. Et si je le goûte, du coup, je vous ferai une vidéo dessus. Mine de rien, le morceau de poulet qui est au milieu, là, le poulet mariné, il est quand même vachement copieux, au fait. Hein. Bon, ben, je valide le boss. Hein. Bon, voilà, les petits potes, c'est terminé, du coup, pour cette vidéo. Franchement, très bon sandwich. Je sais pas si vous l'avez déjà goûté, donc dites-le moi dans les commentaires. Mais moi, c'est la première fois que je l'ai mangé et j'ai kiffé cette petite association. Poulet mariné avec les deux petites tranches de fromage au-dessus, en dessous. La sauce un petit peu à la Zinger, un peu sucrée sur le dessus. Franchement, ça mariait vraiment le sucré, salé, pimenté. C'était délicieux. Le pain était très bon. Il n'y avait pas trop de superflu dedans. La tomate, par exemple, ça aurait été gâchée en plus. Ça aurait rajouté trop d'eau. Là, franchement, il était vraiment parfait avec les petits oignons. C'était vraiment super bien. Dites-moi, du coup, dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Lâchez un maximum de pouces, du coup, si cette vidéo vous a plu. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt, que ce soit sur de la vidéo ou du live. Ciao, ciao tout le monde!